Allons-y, monsieur Miles. Le temps presse. Où est Lucie ? Oh, ne vous inquiétez pas, elle sera bientôt là. Dites, pourquoi vous faites tout ça ? Qu'est-ce que vous espérez au final ? Vous regardez la télévision ? Vous lisez les journaux ? Non, ça ne m'intéresse pas. Alors j'irai à l'essentiel. Le monde est un beau gâchis. C'en est pathétique. Vous en avez fait vous-même l'expérience. 1000 ans se sont écoulés depuis la mort de votre ancêtre. Et pourtant, notre société est toujours aussi barbare, toujours aussi stupide. Et où voulez-vous en venir ? On peut y mettre de l'ordre, monsieur Miles. C'est à cela que nous travaillons. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Vous essayez de me faire croire que vous nous préparez des lendemains meilleurs ? Oui, et c'est exactement ce que nous faisons. L'humanité est en quête de sens. Les hommes veulent savoir ce qu'ils font en ce bas monde. Eh bien, nous allons leur fournir une réponse. Quand chacun aura trouvé un sens à son existence, tout ira beaucoup mieux. Beaucoup mieux ? Tous les conflits cesseront ? N'est-ce pas à cela qu'aspiraient les assassins ? La paix en toute chose ? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un assassin. D'accord, d'accord. Je ne vois toujours pas ce que je viens faire là-dedans. Vous le saurez bien assez tôt, monsieur Miles. Bien assez tôt. Ou peut-être pas. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous le trouviez. Que je trouve quoi ? Désolé, je suis en retard. On s'y remet ? Avec plaisir. T'es bien comporté, Altaïr. Je suis sûr que c'est le premier succès d'une très longue série. Tamir semblait bien vous connaître. Selon lui, la portée de mes actes me dépasse. La portée d'un acte seul est difficile à saisir. Il faut le voir dans son contexte global. Alors, on peut en comprendre les conséquences. Il y aurait donc des choses que j'ignore. Altaïr, c'est parce que tu en savais trop que tu as échoué autrefois. Si je te cache certaines informations, c'est afin de m'assurer que tu ne commettras pas la même erreur. Je vois. Non, tu ne vois pas. Et tant que tu n'auras pas retenu la leçon, il en sera ainsi. Pourtant, tu as fait preuve d'un certain talent. Tu as mérité de gravir un échelon et de récupérer une partie de ton équipement. Maintenant, rejoins Hak au Jérusalem. Il y a dans ces deux villes des hommes qui réclament ton attention. Les chefs de cellule t'expliqueront ce qu'ils attendent de toi. Altaïr, il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Quelle maîtrise! Voilà comment nous devrions tous combattre. Ne recommence pas ou tu seras châtié. Je te préviens, recommence jamais ça, jamais ça. Yeah!
laissez pas fuir, vieillard. Tu n'iras pas loin. Arrêtez, je vous en prie. Vous me faites mal. Va-t'en, le roi. Essaie donc. Meurs. Je vais percer ton sang. Que mes fils aient seulement la moitié de votre pouvoir. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Tu as appris pour Alain ? L'archer qui garde l'aile est ? Son frère, le pauvre diable, a reçu une flèche dans la gorge. Je doute qu'il passe la nuit. Il parvient quand même à rester à son poste ? Il lui rend souvent visite, alors je le remplace quand je le peux. Pas en ce moment ? Non, j'ai des choses à régler. Des affaires de famille. Alors espérons que le médecin n'apprenne pas sa désertion. Il n'en sera rien, à moins que tu ne lui dises. Ne t'en fais pas. Votre secret sera bien gardé. Vous pouvez me donner un peu d'argent ? Place ! Pour répandre la parole, Seigneur ! J'ose commettre sous mes yeux ! Attention ! Tu vas le payer cher ! Hérétique ! Tu vas le payer de ta vie ! Une minute de pensée et il m'aurait enlevé. Je vous dois. Mais qu'est-ce qui se passe? N'abandonnez pas. Sans notre soutien, Richard et ses hommes ne pourront libérer la personne. Ah, est-ce toi, Altaïr? Me reconnais-tu? Non? Nous avons tous deux été formés à la même époque. Ça ne te rappelle rien? Peu importe. Al-Mualim m'a chargé d'une mission que je serai honoré d'accomplir. Je dois te mettre à l'épreuve. Comment refuser? J'ai caché des drapeaux dans ce secteur. Trouve-les et rapporte-les-moi. Fais vite. Si tu réussis, je devrais t'aider. Le vieil homme a insisté. Quelqu'un a-t-il vu ce qui s'est passé ?
Il a perdu la tête, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Ces enfantillages, ce n'est plus de son âge. Déjà, très impressionnant. Pas assez pour que je change d'avis sur toi, mais... Je vais te parler de ta prochaine cible, puisque ce sont les ordres d'Al-Mualim. Garnier se cache dans la forteresse des Hospitaliers. Il te faudra employer la ruse pour entrer. Mais c'est tout ce que je sais. Un peu d'argent. Non, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît. Juste quelques pièces. Quelques pièces. Vous allez arrêter, oui, je demande.